19h, nouveau stream The Big Gameowski. Vous êtes toujours fidèle au poste, c'est très bien. Mais, petit préambule, parfois il y a des titres de jeux qu'on connaît bien et que l'on redoute de streamer un jour. Parce que, pas qu'ils soient mauvais, bien au contraire, ils sont très bons. C'est le joueur qui, pour une étrange raison tout à fait inconnue, a été pris en grippe par le jeu lui-même. Et ce jeu, aujourd'hui, je vais vous le présenter, c'est Salamander. Et Salamander, si vous êtes un fan de shmup, vous ne pouvez que connaître ce titre puisqu'il a une excellente réputation. Ça fait partie des meilleurs shooters horizontaux des années mid-80. Il est sorti en 86 exactement. Et je vais vous faire voir pourquoi je redoutais tant ce stream avec ma boulettitude qui devrait normalement être très exhaustive aujourd'hui. Voilà l'objet du crime. Alors, ça fait partie de ces shoots qui, avec Gradius, se sont tirés la bourre hein, pour faire non, c'est moi le mieux, non, c'est moi le mieux. Ce qui tombe bien, c'est que Gradius, comme Salamander, me détestent tout autant l'un que l'autre. Et moi, je ne les aime pas non plus, finalement. Ce qui n'empêche pas que je peux spoiler d'avance, ce jeu est validé d'office. Et de surcroît, il est dans les incontournables, puisque y a plein de trouvailles en fait au niveau gameplay. Donc là, vous voyez la quantité d'armes qu'il y a, c'est déjà assez généreux. Je vais vous remonter le son après. Et puis après, il n'y a pas que les armes, il y a les tableaux. La façon dont étaient foutus les tableaux, c'est une mine d'idées. Alors, c'est pas super pratique, hein. Enfin, c'est pas évident à pratiquer. J'en suis la première victime. Mais une fois que vous aurez vu ce stream, je vous invite à aller voir un super play sur Salamander, voir la gueule que ça. Et vous verrez que c'est pas mal balèze hein, quand même. Genre, le jeu, avant de vous balader tranquille dedans, vous allez le roder un bon bout de temps. Donc, ça, vous voyez les trucs qui poussent dans le décor. Ça fait partie des petites trouvailles, c'est un détail, mais cumulé à d'autres choses, il y a des façons d'amener le jeu et de taquiner le joueur qui sont très très vicieuses et vachement bien foutues. Ça me fait mal de dire des compliments à un jeu qui me met des tatouilles, mais bon. Je sais pas si on arrivera jusque-là, on va tenter. Vous n'y tenez plus, moi non plus. J'ai dit que je vous remontais le son. Oui, j'ai failli l'oublier. Hop, hop, hop. Voilà qui est corrigé. Vous devez avoir quelque chose d'intelligible. Sans que j'aille hurler dessus, tant qu'à faire. Il faut pas que je regarde trop ça, ça va me couper le moral. Oui, mais des crédits, je pense que. Hein. Alors, piou piou piou, piou piou piou, puis des fois certaines armes vous donneront un tir un peu plus musclé, un peu plus. Ça commence super bien. Je sens qu'on va s'éclater. Bah oui, mais là je vais jamais arriver à passer avec cet équipement lamentable. C'est très mal engagé, mais bon. On va quand même le faire. Oui, non, je fuis courageusement. Regarde tes monticules. Non, tu restes trop loin. Je ne t'aime pas, tu ne m'aimes pas. On ne s'aime pas, de toute façon, de non. Donc, on va éviter d'insister sur des choses qui ne peuvent pas avoir de compatibilité. Ah, j'ai raté les bonus. Si je rate les bonus, à quoi je sers? Les amis, à quoi je sers? Je pose la question. Alors ces petits tentacules là c'est quand même bien chiant, ces gros crochets c'est encore plus chiant. Mais rate pas les bonus et touche pas le décor s'il te plaît. J'ai mal. Ça va bien se passer. Parce que j'ai la volonté toute puissante. Oh sa mère. Oui, touche plus rien là, touche plus rien. Le gars qui n'est pas là. Je ne suis pas là. Hop là, tranquille. Comme maman, papa. Hop, 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 hop. Et alors là, pour passer,
Si j'avais mon bouclier, ça serait super. Mais regardez-moi ça. Je suis dans la Jello. Oui, alors je la fais un peu crade. Et là, je suis devant le boss final avec le tir de base. Donc, ça ne peut que super bien se passer. Regardez-moi ce beau cerveau bien gélatineux. Mais ça ne suffisait pas. Donc, il a un non-œil. Non-œil. Et une papate. Et en fait, il a deux papates. Et là, je me suis mis dedans, mais bien. Quoi. Vous comprenez pourquoi je n'aime pas Salamander ? Et regarde le non-œil. Eh, le non-œil. Allez, les petits bras, Gil Tonic. Vas-y, Vénère, Véronique, Davina. Les deux font la paire. Et non-œil. Donc, non content de vous offrir un calvaire en scrolling horizontal, eh bien, vous avez l'opportunité d'avoir le même en vertical, bande de petits vénards. Donc, vous voyez que Salamander, pourquoi il y a autant d'enthousiastes de ce jeu ? Bah, c'est sa richesse, tout simplement. Avoir un shmup qui vous donne autant généreusement de phases de gameplay, c'est pas très courant. Et du coup, c'était fort plaisant à l'époque à ne tire pas. Oh, les mecs, ils en veulent. Ça va super bien se passer maintenant. Je sens que j'ai la puissance avec moi. La puissance démoniaque. Oui, celle qui vous rend un petit peu hystérique et vous fait dire n'importe quoi. On va s'esquiver, les amis, parce que je pense qu'on n'est pas fait pour danser ensemble. Alors, ces voix robotiques, vous me direz, qui a doublé ça ? Eh bien, ce n'était pas Jean-Michel Bruitage. Comment ça, j'essaie de noyer le poisson que je joue comme une buse ? J'avais prévenu au début du stream, hein, donc ça va bien se passer. Regardez-moi ça, ce pattern à la... Non, ça peut que mal se terminer, ça, madame. Fumier intergalactique, crève. Oui, car encore faut-il détruire la petite bille. Ouf. Et là, je repasse en vue horizontale. Vous êtes scié, hein, on est en 86 et on sait faire ça. Avec du Z80 à 8 MHz. D'ailleurs, on voit ça, ça rame un peu là. C'est pas l'encodage, c'est le jeu lui-même qui fait. Oula, j'ai chargé le décor. Oui, parce qu'on voit bien, il y a plein d'étoiles. C'est un parallaxe avec un, deux niveaux de parallaxe. Le niveau avec des flammes qui surgissent de bah, nulle part. Hein. On ne s'y attend pas. On n'a jamais joué à Darius. Hein. Et donc, bah, c'est la surprise totale. Là, par exemple, je me suis fait surprendre. Peut-être je sais pas d'où ça sort. Et... Voilà, ici, il y a une petite déformation du décor, juste avant que ça parte. Mais je suis bon client, donc je me laisse détruire. Oh, putain, ça... Comment ça, j'ai dit un truc énorme ? Non, je disais... Oh, putain, Smain. Oui, Smain, ce grand humoriste. Donc comme je vous disais en intro de stream, niveau mémoire, faut y aller. Comment ça je ressors mon couplet comme quoi les chemins horizontaux c'est que de la mémoire. Oui. Bah on en a la démonstration quoi. Là tu passes, tu sais pas d'avance à peu près où te poser, c'est bon pour prendre plein le slip quoi. Genre le mec il te tire le slip, pendant que de l'autre côté, il t'en remonte un côté sur l'épaule quoi. Donc je réitère, après ce merveilleux stream découverte sur cette chaîne hautement culturelle que bientôt Arte va racheter d'ailleurs, hein, je vous spoil le truc, oui je suis en pourparler là, eh bien allez voir un vrai super play sur Salamander et vous verrez que ben c'est balèze quand même pour l'époque. Oui ben, je voulais voir s'il y avait moyen de changer parce que tourner là, on peut tourner de l'autre côté si tu veux. Allez, viens, on va faire un petit tour, juste pour rester en face de toi. Très mauvaise haleine. Tu es un dragon. Et les dragons ont tous mauvaise haleine, c'est connu. Et on repasse en vertical, quoi. Moi, j'ai l'impression d'être le meilleur de l'univers. Hein. Parce que maintenant, oh putain, quand je ramasse mes bonus, je me prends des tatouilles. Ça y est, il va nous la jouer Xenon 2.
Oh yeah! Et toujours ce décor destructible, c'est vraiment la grosse trouvaille hein, sur ce truc. Jeu génial. Difficile, mais génial. Vous voyez, je suis très bon joueur. D'ailleurs, envoyez-moi des sous, que je continue à être très bon joueur. Ça fait partie du truc qui me permet de l'être. Puisqu'il faut les mettre, les sous là-dedans, pour avancer, hein, vous avez vu. 10 crédits en 10 minutes. C'est un score honorable, on va dire. Salamander, à mettre d'office dans votre collection de shmup incroyable. Je vous laisse avec les deux playlists habituelles, et je vous donne rendez-vous demain à 19h pour de nouvelles aventures. Tur, 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 tur.